Eh bien, salut tout le monde, c'est Obijawa, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser un post. Donc, les posts, c'est quoi? C'est dans l'onglet communauté de la page d'accueil de votre chaîne qu'il y a des posts. Donc, regardez. Par exemple, ça c'est un post, voilà, on peut liker ce post, voilà, ça fait plus de likes, ça fait plaisir. Un post, c'est quoi? Donc, c'est comme ça, une petite vignette, comme ça, vous pouvez partager un message. Et faire des sondages, vous pouvez mettre des images, des vidéos, des liens de vos vidéos pour faire de l'autopub un peu. Et voilà. Donc déjà pour faire un post, il faut avoir plus de 1000 abonnés. Donc voilà, il faut tout simplement avoir plus de 1000 abonnés. Cette fonctionnalité, je crois qu'elle se débloque automatiquement une fois qu'on a 1000 abonnés. Donc voilà. Une fois que vous avez 1000 abonnés, c'est très simple, vous allez soit dans l'onglet Créer juste en haut, là où vous ajoutez une vidéo, vous faites Créer un post. Ou alors vous pouvez aller directement dans l'onglet communauté et créer un post. Une fois que vous êtes ici, vous allez taper ce que vous voulez. Qu'est-ce que je pourrais taper? Nouvelle vidéo disponible sur la chaîne. Voilà, vous pouvez mettre ça. Ensuite, vous pouvez mettre un petit sondage avec écrit je vais la voir de suite ou j'irai la voir après. Voilà pour voir pour faire une interaction tout simplement avec vos spectateurs. Voilà, vous pouvez ajouter plusieurs paramètres pour votre sondage. Vous pouvez en ajouter 5 maximum. Au niveau de la visibilité, alors vous pouvez mettre en public ou vous pouvez mettre pour certains membres de votre chaîne. Donc là, on voit tous les grades que j'ai mis quand on clique sur le bouton rejoindre, tout simplement. Voilà, il y a plusieurs grades comme ça. Et voilà. Là, par exemple, si je veux que tous les membres de la chaîne le voient ce post, je clique là. Si je veux que ObijaFan, donc le deuxième niveau de membres, voient ce post, il n'y a que eux qui le verront. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc moi, je vais pas publier ce post, hein. Mais ensuite, vous pouvez faire un post programmé, donc juste à côté de publier, comme ça vous avez une petite flèche. Vous faites ensuite vous avez comme ça une petite case comme ça qui s'ajoute et vous allez avoir une date, une heure. Donc là, vous touchez pas dans heure locale. Ici, vous allez mettre la date à laquelle vous voulez que le post sorte. Donc moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 23 février. Imaginons, j'ai envie qu'elle sorte le 3 mars. Que le post sorte le 3 mars à on va dire, alors là il est quelle heure? 12 a.m. Si j'ai envie qu'il sorte à 9h30 du matin, voilà, et bien je mets 9,30 enfin point 30 a.m. J'arrive pas à parler. Donc voilà, une fois que ceci est fait, vous faites programmer et ça va programmer votre post. Donc c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à aller faire un tour dans l'onglet communauté, d'ailleurs il y a quelques petits sondages sympas, ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. C'était Obijawa, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.